Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Et avant de commencer, je voulais partager avec vous ces jolis rayons de soleil, ce joli ciel, et vous envoyer toutes les énergies positives que cela peut vous apporter pour votre bien, pour le bien-être et les bonnes vibrations. Regardez-moi ça comme c'est beau. Aujourd'hui, je me dois de partager avec vous trois petits chapitres que je vais résumer vite fait, mais qui me sont arrivés là dernièrement. Et donc, je me dois de vous les partager sur cette nouvelle étape de ma vie. Alors, le premier, c'est les synchronicités. Le deuxième, c'est les dons, enfin, ce qu'on a, ce qu'on peut faire, les dons que l'on peut développer ou pas. Et trois, c'est l'enfant intérieur. Alors, dans le but de chercher exactement ce que je suis, ce que je dois faire sur Terre, je me poste sur plein de choses. Je cherche à comprendre et à savoir quel est mon but. Et donc, à partir de là, étant un peu perdue et ne sachant pas exactement où me placer, j'ai essayé plein de choses qui n'ont pas fonctionné. On m'a envoyé des messages que je n'ai pas forcément entendus. Et donc à partir de là, rentre en compte la synchronicité. Alors la synchronicité, c'est quelque chose qui est relativement important, enfin relativement très important, si on y fait attention et si on a l'esprit assez ouvert pour les voir et pour les entendre. Par exemple, la question, je prends mon exemple parce que c'est vraiment un exemple concret et je vous partage donc mes expériences. Je me disais, il me faut une réponse à ce que je fais actuellement, à ce que je dois faire actuellement. Et là arrivent les synchronicités, c'est-à-dire les réponses. Les réponses. Alors, les réponses, si vous ne les entendez pas, si vous n'arrivez pas à les percevoir, elles vous arrivent par des moyens, comment dirais-je, divers. C'est-à-dire que, voilà, moi, c'est la médiumnité. Voilà. Alors, il semblera, j'aime pas cette histoire de médiumnité parce que c'est une étiquette qu'on vous colle un peu. Et la médiumnité, c'est quelque chose qui est très vaste. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est un sujet que je connais donc, et que j'avais laissé tomber pendant depuis quelques années déjà. Parce que j'ai entendu des mauvaises choses, enfin des mauvaises choses, des réponses relativement négatives sur la médiumnité et ça rentrait pas dans ce que je ressentais et donc j'ai mis de côté j'ai fait des expériences, je me suis pris des murs, je suis revenue, je suis repartie, bref, plein de choses sont arrivées. Et là maintenant que je refais cette examen, enfin cet exercice qui est de me reconnecter entre mon âme, mon cœur et mon corps, et comme je vous disais, les choses arrivent de plus en plus vite. Et le fait est que je vois beaucoup, beaucoup de choses qui ont un rapport avec les médiums. Alors, quand par exemple je suis, je réponds à des messages sur Facebook, paf, il y a quelque chose qui me parle sur les médiums. Ou
On m'envoie des vidéos sur comment vivre sa médiumnité ou bref, voilà. Donc j'ai la réponse. C'est une synchronicité qui fait que ça m'apporte la réponse et me dire voilà, c'est sur ça que tu dois travailler maintenant. Et c'est des choses que, comme je dis, j'ai déjà fait, que j'ai mis de côté. Et là, on me fait comprendre que bah, il faut que je m'y remette. Donc voilà, il faut s'y remettre. La synchronicité en globalité est une réponse à une question que vous avez posée. Alors ça peut venir via des personnes de votre entourage, ça peut venir via la famille, ça peut venir via la télé aussi, ça peut venir de n'importe quelle façon. C'est une réponse à laquelle, c'est une réponse à une question que vous posez et dont vous ne trouvez pas la solution. Et si vous êtes ouvert d'esprit et que vous dites, bah, je me laisse guider par le grand tout et on verra bien ce qui se passe, eh ben, vous verrez des synchronicités, c'est-à-dire des réponses auxquelles peut-être vous ne vous attendez pas, peut-être que c'est des réponses que vous ne voulez peut-être pas entendre, mais qui sont là et que il serait bon de s'y attarder juste pour voir si c'est en corrélation avec ce que vous voulez, avec ce que vous désirez ou pas. Voilà. Donc les synchronicités, ça peut être, je dis, tout et n'importe quoi. Voilà, c'est des réponses, tout simplement. Voilà pour le premier chapitre. Alors, parce que je vais vous parler des dons, les dons, j'aime pas trop les dons. Je sais pas trop comment appeler ça d'ailleurs, mais les dons, ça fait un peu, vous voyez, ça vous dit un peu, ouais, elle a des dons, il n'a pas de dons. En fait, tout le monde a des dons. Ils sont pas tous pareils, chacun a le sien, mais tout le monde a des dons. Il suffit juste de les développer au final. Vous pouvez avoir des ressentis, vous pouvez avoir des prémonitions, pardon, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir, vous pouvez voir un peu des fois autour de vous ce qui se passe, ce qui va arriver. Donc, ce sont plutôt des dons de voyance. Voilà, tout le monde en a à partir du moment où vous y croyez et que vous pouvez les développer. Il y a des dons de guérisseur et des fois, bah, il y a des gens qui ont tout en même temps. Tout dépend de la personne qu'ils ont en face d'eux, tout dépend de la personne avec qui ils parlent et ce dont elle a besoin et ce dont elle est en état d'accepter. Voilà, alors si, elle a le droit de refuser. Si quelqu'un vous parle et que vous avez qu'elle a besoin d'aide, des fois elle refuse. Elle peut refuser que vous l'aidiez. Elle se dit non, j'ai ma façon de voir, j'ai ma façon de penser, j'ai pas besoin que tu m'aides. Bon, bah, vous l'aidez pas, hein, c'est son choix. Néanmoins, il est possible que vous puissiez développer plusieurs capacités. Voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, capacité. Merci, merci les guides de me l'avoir soufflé. Donc, je préfère dire capacité que don parce que les capacités ça parle à tout le monde. Les dons, c'est plus réservé à des êtres un peu spéciaux, spirituels ou pas. Alors que les capacités, tout le monde peut en avoir. Il suffit d'y croire, c'est tout, tout simplement. Et comme je vous dis, ces capacités, une fois que vous avez compris quelle était la vôtre, ça peut être, je vous dis, guérisseur, voyant, médium, n'importe quoi, ou tout à la fois. Une fois que vous avez compris quelles étaient vos capacités, eh ben, si vous avez vraiment envie de les développer, faites-le parce qu'on va avoir besoin.
dans très peu de temps, on va avoir besoin de tous ces gens qui sont ouverts d'esprit et qui ont des capacités et qui vont les développer afin d'aider tous ceux qui en ont mais qui ne veulent pas en tenir compte, ou tous ceux qui auront besoin d'aide dans un futur très proche. Et à ce moment-là, eh ben, il faudra vraiment, vraiment compter sur ceux qui développent leurs capacités et qui sont en état d'aider afin d'aider ceux qui ont des capacités mais qui ne les ont pas développées et qui sont perdus dans un monde complètement, comment dirais-je, chaotique, catastrophique, qui veulent en sortir et qui ne savent pas comment, parce qu'ils auront entendu peut-être le dernier moment ou qu'ils n'étaient pas prêts. Ou que, comme on dit souvent, c'est quand on est face au mur que l'on réagit le mieux ou le plus vite. En fait, c'est quand on est au fond du puits qu'on se dit, mince, maintenant, comme je ne sais plus où aller, bah, faut que je remonte. Voilà. Et c'est à ce moment-là que ces gens-là auront besoin de ceux qui ont des capacités et qui seront prêts à tendre la main pour les aider, tout en tenant compte de leur libre arbitre, c'est-à-dire d'accepter le fait qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas que vous puissiez les aider. Voilà. Alors, si vous leur tendez la main et qu'ils vous la prennent en disant oui, d'accord, je suis d'accord, je veux avoir de l'aide parce que je ne veux pas vivre ça, donc je veux avoir de l'aide, et là, c'est tout bonus, vous pourrez les aider sans aucun souci, sans aucun problème. Par contre, il y en a qui vous diront non, bah, moi, je suis très bien comme ça. Le système, c'est cool, je m'écroule avec, c'est très bien, mais ça ne vous concerne pas, c'est sa décision, c'est la décision de la personne. Donc, il ne faut pas que votre ego interfère avec vos capacités. C'est-à-dire que même si vous avez des capacités et que vous les développez et que vous êtes prêt à vous en servir, il faut vous dire que la personne, face à vous, a son libre arbitre et peut accepter ou ne pas accepter l'aide que vous souhaitez lui apporter. Après que vous souhaitiez le faire, c'est tout à votre honneur, mais le fait d'accepter que la personne ne veuille pas être aidée, c'est de rester humble et de dire, bah, écoute, c'est toi qui vois. En tout cas, si tu changes d'avis, tu sais que tu peux compter sur moi. Voilà. Mais en aucun cas, ne croyez que ces capacités ne sont que pour certaines personnes. On a tous ces capacités différentes, chacune des autres, parce qu'on n'a pas besoin que de guérisseurs, on n'a pas besoin que de médiums, on n'a pas besoin que de voyants, on n'a pas besoin que... On a besoin d'un tout, puisqu'on est un tout et que on est là pour faire des expériences, enfin des expériences, oui, pour vivre des expériences. Et si on peut aider certaines personnes à remonter dans les énergies, dans les vibrations, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il qu'elle l'accepte. Donc, les capacités, oui, les développer, oui, les imposer, non. Voilà pour ce qui est des capacités. Alors, j'ai entendu parler, alors sûrement que vous aussi, vous avez entendu parler de notre enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est que notre enfant intérieur? Notre enfant intérieur, en fait, c'est cet enfant qui ne vous a pas suivi dans votre évolution parce qu'il était en grande souffrance et que cette souffrance, eh ben, vous l'avez gardée au fond de vous. Cet enfant, c'était vous quand vous étiez plus jeune, plus petit. Vous avez subi un traumatisme, d'ailleurs un ou plusieurs traumatismes qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été correctement écoutés et entendus, et donc qui vous suivent tout le long de votre vie jusqu'à ce que vous preniez conscience que bah, les problèmes que vous avez aujourd'hui, peut-être qu'ils remontent à ce moment-là, à ce moment où votre enfant a arrêté de vous suivre, où votre vous, en fait, une partie de vous a arrêté de vous suivre, qu'il est resté là où la blessure a eu lieu et qu'il ne veut absolument pas, il ne peut pas avancer tant que cette blessure n'est pas soignée. Il vous fait comprendre de diverses façons, de diverses manières,
que vous avez un problème avec votre passé, qu'il faut absolument le régler si vous voulez être bien maintenant. Alors c'est bien de faire du nettoyage et tout, alors, oui, mais il ne faut pas oublier cet enfant intérieur. Si tout va bien, s'il a bien vécu, s'il n'a pas de blessures, s'il n'y a rien du tout, tout va bien, il n'y a aucun problème. S'il a eu des blessures, si vous avez vécu des blessures quand vous étiez plus jeune et que ces blessures-là n'ont pas été résolues, elles n'ont pas été, comment dirais-je, elles n'ont pas disparu, elles vous poursuivent. Et donc, elles vous sabotent la vie aujourd'hui, non pas pour des raisons négatives, mais pour que vous sachiez que, oups, il y a quelque chose dans votre passé que vous n'avez pas résolu, et que tant que vous ne l'avez pas résolu, eh ben, ça reviendra à la charge. C'est ce qui se passe pour moi, donc je suis en train de travailler dessus. Et c'est vrai que alors là aussi, c'est dû à une synchronicité que j'ai réalisé que j'avais un problème. Et donc, je travaille sur cet enfant intérieur, cet enfant, moi, quand j'étais plus jeune, et à un moment donné, gros choc. Gros choc. Et bah, j'ai dû. Je l'ai mis de côté, je voulais juste oublier. Sauf que l'enfant intérieur, il souffre. Il souffre. Il souffre et vous ne pouvez pas avoir une vie satisfaisante tant que votre enfant intérieur souffre. Il faut absolument l'accompagner, le guérir, le soigner et lui apporter reconnaissance, amour, beaucoup d'amour, et lui parler de façon à ce que sa blessure diminue, qu'elle disparaisse et que vous puissiez passer à une nouvelle étape. Surtout, ne pas négliger son enfant intérieur qui peut vous donner la solution de vos problèmes actuels. Beaucoup viennent de là, parce que quelque chose n'a pas été résolu dans votre passé, que vous n'avez pas voulu en entendre parler, parce que c'était tellement douloureux que vous ne vouliez pas aller au fond, vous ne vouliez pas aller voir ce qui se passait vraiment. Et donc, au cours de vos étapes, si vous regardez bien, si vous avez un enfant intérieur qui est blessé, au cours de vos étapes, vous allez voir que petit à petit, quand vous avancez dans la vie, etc., vous aurez des rappels sur la problématique qui dérange votre enfant intérieur et qui le fait souffrir. Systématiquement, vous allez avoir des rappels. Vous allez avoir des, comment vous dire, des choses qui vont vous dire attention, j'ai peur, j'ai mal, va pas là, j'ai peur, j'ai mal, va pas là. Ce n'est pas forcément votre mental, c'est votre enfant intérieur qui peut vous envoyer des messages en disant mais attends, tu t'en vas là, mais tu vas me refaire, tu vas faire en sorte que ma douleur continue, tu vas pas me la soigner, tu vas me la renforcer. Et donc, elle va vous dire, non, je suis là, soigne-moi d'abord, et après, on ira, aime-moi d'abord, aime-moi. Mais comme on ne l'entend pas et qu'on n'est pas au courant qu'on a cet enfant intérieur qui n'a pas évolué en même temps que nous, du coup, on fait les mêmes bêtises, on refait les mêmes choses jusqu'à ce que l'on prenne conscience. Ça peut aller très loin hein, parce que ça peut vous déclencher des maladies, ça peut vous déclencher un mal-être familial, un mal-être relationnel avec n'importe qui, ça peut vous déclencher. Votre enfant intérieur va voir à chaque moment quelle est la personne qui va pouvoir le guérir ou pas. Quand elle sent que vous êtes en rapport avec quelqu'un qui peut le guérir, elle va vous donner le feu vert en disant, voilà, j'ai trouvé la personne qu'il fallait pour guérir, à toi de faire en sorte que je puisse guérir et venir et m'aider. Si cette personne n'est pas en relation avec votre enfant intérieur
enfin en relation, quand je veux dire en relation, c'est que si votre enfant intérieur a peur, ne le conçoit pas, il peut saboter votre vie complètement. Complètement. Tant qu'il ne sera pas guéri, tant qu'il ne sera pas fort, tant qu'il ne sera pas soigné, tant que vous ne lui accorderez pas l'attention dont il a besoin, tant que vous ne l'aiderez pas et ne l'aimerez pas comme il voudrait être aimé. Par exemple, mon enfant intérieur, moi, il a besoin d'un père. Ouais. Moi, le mien, mon père biologique, n'a pas été au top, n'a pas été au bon niveau, n'a pas été comme il souhaitait. Il lui a fait des grosses blessures à mon enfant intérieur. Et du coup, ben, ces blessures se sont répercutées tout au long de ma vie. Elles m'ont fait faire. Il y a eu un rapport de cause à effet par rapport aux blessures que mon enfant intérieur a vécues dans son enfance. Il a été choqué par de nombreuses choses. Surtout, il n'a pas eu le père qu'il voulait. Et donc, moi, j'étais en quête d'un mari et mon enfant intérieur était en quête d'un père. Ben, ça ne collait pas toujours. Maintenant, c'est à moi, telle que je suis maintenant, et dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle vie de couple, dans mon nouveau mariage. Mon enfant intérieur a trouvé le père qu'il désirait. Ça tombe bien parce que moi, dans la foulée, ben, j'ai trouvé le mari et l'homme de ma vie. Donc, on est en accord tous les deux. Sauf que lui cherche dans mon mari le père qu'il n'a pas eu. Enfin, elle cherche dans mon mari le père qu'elle n'a pas eu. Du coup, ça pose un problème parce que entre la femme et l'épouse que je suis vis-à-vis de lui et mon enfant intérieur qui cherche absolument à faire ressortir le père qu'il est, ben, disons qu'on a fait la moitié du chemin. Voilà, on a fait la moitié du chemin et que maintenant, et ben, il faut que de mon côté, je m'aime assez, je l'aime assez, je l'aime pour pouvoir avancer et que cet enfant intérieur retrouve la paix, retrouve le bonheur, retrouve la joie de façon à ce que moi, je puisse avancer dans la direction que dans le chemin de ma destinée, tout simplement. Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. C'était vraiment du condensé, mais il fallait que je vous le dise, que je vous le transmette parce que c'est des choses qui sont importantes, surtout de nos jours, parce que du fait que les énergies bousculent un peu tout le monde, ça fait ressortir tout ce qui va pas, quoi, en fait, au final, hein. Et comme on est de plus en plus ouvert, et qu'on monte en vibration, on est de plus en plus ouvert, on est de plus en plus apte à capter toutes ces petites choses auxquelles on ne prêtait pas forcément attention avant, mais auxquelles on est prêt à les voir aujourd'hui, du fait que on est obligé maintenant et de faire un choix, de s'y tenir et de faire la démarche pour avancer, pour aller vers ce choix que l'on a fait. Et pour faire en sorte de pouvoir vivre pleinement une vie heureuse, satisfaisante, heureuse et pleine de joie et de bonheur. Mais pour ça, il faut régler, comme je vous le disais précédemment, tous nos petits soucis intérieurs. Petits soucis ou gros soucis, parce qu'une fois qu'on aura réglé ce qu'il y a à l'intérieur, on pourra régler ce qu'il y a à l'extérieur. N'oubliez pas que tout vient de nous et que nous avons la réponse pour un monde meilleur, mais pour cela, il faut que l'on en soit conscient, que l'on ait confiance et qu'on croit qu'on ait la foi. Voilà, savoir qu'il y a quelqu'un aux commandes, quelqu'un qui maintenant a besoin de nous, qui a besoin de nous entièrement en tant que être de lumière, en tant que travailleur, en tant que
tout ce qu'on est au final, c'est-à-dire tous nos corps, toutes nos capacités, tout. Il faut qu'on soit au taquet, vraiment, qu'on soit au taquet pour pouvoir aller vers une dimension plus élevée pour un monde meilleur. Et là, on est vraiment bousculé exprès. Donc, on est bousculé exprès pour pouvoir faire ce nettoyage, pour pouvoir vraiment enlever tout ce qui nous a dérangé de par le passé, de pouvoir se débarrasser de tout ça afin de pouvoir être les êtres que l'on attend que l'on soit, que notre âme attend que l'on soit, que nos guides attendent que l'on soit. Et bah, tout dépend, ça dépend de nous. On a le libre arbitre à nous de savoir ce que l'on veut faire ou pas. Moi, mon choix, il est fait depuis longtemps. Mais ça ne m'empêche pas de faire. Après tout, je suis un être humain, donc ça ne m'empêche pas de faire des erreurs et d'aller voir où je peux, où est. En fait, ouvrir plusieurs portes. Ouvrir plusieurs portes et voir laquelle a une continuité. Des fois, vous ouvrez une porte et juste devant, il y a un mur. Bon, c'est pas la bonne. Puis vous en ouvrez une autre. Et puis vous avancez un peu, puis pof, le mur est un peu plus loin, mais il est quand même là. Donc c'est encore pas la bonne. Et puis vous ouvrez des portes comme ça. Alors des fois vous allez ouvrir des portes et vous allez trouver un superbe chemin et vous dites, waouh, c'est ça, c'est là que je veux aller. Et c'est là que est ma destinée. Et des fois vous ouvrez des portes et vous allez trouver des murs. Parce que tout de suite, chlac, vous sentez, en ouvrant la porte, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça ne résonne pas. Non, vous savez. Et vous dites, j'y vais quand même. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes têtu, peut-être parce que vous avez écouté votre ego, peut-être que vous écoutez votre mental, ou peut-être tout simplement parce que c'est une expérience que vous devez faire, ouvrir la porte et voir qu'il y a un mur. Bon, ben non, c'est pas la bonne direction. Allez, pof, on referme la porte et on en ouvre une autre. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Nos portes étant les idées qu'on a, ça, bon, je pense que vous l'avez compris. Hein, les pensées qui vous passent par la tête, des trucs, tiens, genre, oh, bah, j'essaierai bien ça. Bah ouais. Sauf que ça va pas. Ça fonctionne pas. Donc, c'est une porte avec un mur. Donc, on referme la porte et puis on essaye autre chose. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais au final, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Et puis, ça nous permet et d'avancer dans notre vie. Et puis, bah, de comprendre. De nous écouter davantage, en fait. Voilà, nous écouter davantage et savoir s'écouter, savoir entendre, savoir voir toutes les synchronicités qu'il y a, se dire, attention, j'ai pas. Tu vois devant cette porte, mais je suis pas convaincue que ça va fonctionner, je ne suis pas convaincue. Et finalement, oui, ça va pas fonctionner. Voilà, donc c'était la petite vidéo de ce jeudi. Jeudi 27. J'espère que j'ai un peu fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et ben, écoutez, en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye.